Je vais dire tu recolles tes morceaux. Ça c'est plus obligatoire de recoller papier et tout là. Le lundi là, on va juste enlever ça. Comme on connaît maintenant là où la vie sert. Le caméra qui dit. Est-ce qu'il y a des temps quelqu'un ouvre une machine? Quelqu'un est toi. Non, voilà la nappe. On a l'allumage, le bouton d'allumage, puis on a la charge. Supposez que c'est un chargeur. Et on branche. Là, tu branches celui-ci. À la prise, tout en gardant ta main sur le processeur. Et puis tu allumes. Tu débarres comme ça. Tu vas voir que les lampes au niveau d'ici là, ça va s'allumer. Il n'y a pas ça. On va essayer ça. Quand vous allumez, même quand vous branchez sans charge, le chargeur et le côté de charge, ça peut s'allumer ou ne pas s'allumer. C'est que quand vous mettez votre PC en charge, il y a le bouton de charge qui s'allume. La lampe de charge, soit rouge, soit bleu. Si ça ne s'allume pas, c'est que le BIOS ne reconnaît pas toutes les pièces en présence. Avant de démarrer. Donc tu vas pas allumer. Donc vous allez attendre quand vous démarrez, il y aura un bouton d'allumage ou pas. Ce n'est pas forcé que ça va s'allumer comme le bouton. Parce que vous avez décomposé la machine. Il ne faut pas s'attendre à un résultat final, non. Quand vous démarrez, ce que vous allez attendre, attendez que le processeur ici là. Se chauffe. Ça chauffe. Quand vous mettez la main, vous allumez, puis ça commence par chauffer là. Ça chauffe très fort. Hein? Ça ne peut pas vous écouter. Non. C'est sous forme de fer. Voilà le passé, comment ça chauffe. Donc quand vous allumez, vous allez faire comme ça que la chaleur augmente. La manette de ça commence, l'amplification augmente au niveau de la chaleur. Là, le processeur travaille ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est débrancher. Vous voyez que vous n'êtes plus en mesure de débrancher correctement. Donc il faut que votre main ou bien vous soyez en mesure de débrancher. Processeur. Soit je glisse la main doucement. Ici, le processeur là, c'est calé, ça ne peut plus tomber. Il y a un cal ici qu'on prend pour verrouiller le processeur. Donc ça ne peut plus tomber. Ouais. Si vous avez déposé la main ici là. Non, sur le processeur même. Ok. C'est ici même qu'on dépose. Et puis tu allumes. Ça commence à se chauffer. Elle dit que le courant rentre, lui il reçoit les ordres, mais ceux qui vont exécuter ne sont pas là. Quand ça commence à chauffer, soit tu débranches le secteur, soit tu débranches l'alimentation. Ça montre déjà que le processeur travaille. Maintenant, le prochain, il faut chercher la prochaine étape. Où est-ce que ton tapant se trouve? Maintenant, quand le processeur travaille, le processeur est épargné, le chargeur est épargné. Maintenant tu vas toucher les autres côtés. Il y a la pile CMOS, tu vas le changer. C'est ça le diagnostic? Oui, c'est le diagnostic de panza. Tu changes la pile CMOS. Si ça refuse, le graphique. Il y a le graphique qui est ici là.
quand le graphique est mort, ça persécute aussi le processeur. Machine à machine. Alors que ici là, c'est le graphique qu'on cherche sur la plaquette là. Mémoire graphique totale, tout ça là. C'est lui qui permet d'afficher l'image. Quand c'est mort, ça persécute le schéma. C'est que c'est un système qui est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit on va étudier le système. Ils sont en liaison. Tu vois? Il suffit que quelqu'un meure dans le schéma et puis il coupe le schéma en deux. Celui-ci est en liaison avec celui-ci. Tous les matériels, et la batterie, carte son, tout est en liaison avec la BIOS et avec le processeur aussi. Donc il suffit pas de mettre le canal et la poser tournant le poteau. Quoi. Et puis eux aussi ne saluent pas. Souvent les pannes qui viennent souvent du niveau de l'allumage là. Le processeur lui-même il part. Si le processeur ne part pas, qui part après lui? C'est le graphique. Le graphique. Oui. Ça peut pas être le BIOS. Non. Le BIOS est difficile à se garder. Ce n'est pas un matériel qui travaille en tant que tel. Souvent, certains internationaux disent que si tu as un problème de graphique, on ne peut plus rien faire ou bien pas là. Oui. C'est fixé sur la plaquette. On n'enlève pas ça comme le processeur. Lui, c'est fixé sur la plaquette. Oh. Tu ne vois pas. C'est fixé avec quoi? Des machines. Je sais pas. Maintenant, quel maintenant peut changer ça? Mais dans la maison, si on peut changer ça. On change, mais la panne revient. Il n'y a pas de graphique standard. Lui là, il peut avoir un graphique NVIDIA. Lui, il va avoir un graphique GT. Maintenant, si GT garde, est-ce qu'on peut lui mettre NVIDIA? Non. C'est ça le problème. C'est pourquoi, avant d'aller acheter la machine, prenez soin de vérifier la graphique. C'est la pièce qu'on ne change pas sur la plaquette. Aïe. Si je suis rentré en boutique, oui. Je vais aussi vérifier la graphique. Il ne va pas ouvrir ça. Il ne va pas ouvrir. Mais comment? C'est ce qu'on a fait, il faut aller dans la résolution d'écran. Et tu vérifies la capacité de la graphique. Si la graphique est 1 giga, 2 giga, 3 giga, si la personne veut une mémoire graphique de 3 giga, et puis toi le technicien, tu l'accompagnes. Tu n'as pas vérifié, vous achetez un PC avec mémoire graphique de 1 giga. Maintenant, arrivé à la maison, il peut faire Photoshop. Il installe sa RAM. Parce que quand la mémoire graphique n'a pas le giga là, c'est la capacité du graphique à afficher l'image. Donc quand la capacité là ne suffit pas là, ça va ramer le chargement. Tu vas croire que c'est mémoire RAM. Tu mets RAM, c'est le même problème. Alors que le ramage là, ce n'est pas au niveau du processeur ni de la RAM, c'est au niveau de l'affichage. Ça traîne à afficher. Ce n'est pas que ça traîne à s'allumer, ça traîne à afficher. Ça veut dire que le graphique là, ça n'a pas beaucoup de capacité. Maintenant tu vois, tu vérifies, tu vois que c'est 1 giga. Est-ce que tu peux changer la machine? Non. Est-ce que tu peux changer la graphique? Non. Bon. Au moins partir de minimum là. Il faut demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut faire. Combien de graphiques lui veut. Donc toi tu vas juste le vérifier que ce qu'il veut c'est ça. Si lui ne connaît pas ça, si lui ne connaît pas toutes ces caractéristiques. C'est à toi de lui demander qu'est-ce qu'il veut faire avec la machine. Toi tu sais que ceux qui font Photoshop, au moins il faut leur tout minimum une bonne machine avec 2 gigas de RAM de graphique. Et 2 gigas de graphique. Tu sais que tu n'as pas de problème avec le client. Okay. Maintenant tu vois. Et ceux qui font aller saisir là. Même eux ils ont des graphiques de 256 mégas. C'est que eux ils n'affichent pas des images de grande qualité. Eux ils n'ont pas de problème d'image. C'est les tests seulement ils affichent. Même si ton graphique est à 16 mégas là, c'est bon pour trop bon pour eux. Trop bon même. Parce que il n'a pas besoin d'utiliser la graphique en tant que telle. C'est encore au niveau de la graphique là qu'on parle de vidéo de Dieu. Oui, c'est lui seul qui a toutes ces fonctions là.
C'est lui qui s'occupe de tout ce qui s'affiche chez Maya. Mmh. Au niveau de lui, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc c'est lui qui va avoir par exemple 2 gigas et puis une partie réservée qui est peut-être 1 giga. C'est ce qui fait que la graphique est comme ça. Il a plusieurs fonctions. Fonction de vidéo dédiée et puis fonction de, d'affichage, mémoire graphique totale. Ce qui fait que la graphique se casse, c'est ça. Si une partie des fonctions est grillée là, c'est toute la graphique qui est grillée. C'est tout la graphique qui est grillée. Et puis si une partie, il y a certains pannes qui viennent souvent. Si c'est cette partie qui part, tu vas voir que quand tu mets toutes les vidéos, toutes les chansons vidéo que tu vas mettre, ça va commencer par craquer. Ça va commencer par craquer. Pour savoir que ton graphique est en chemin de partie. Mais la partie même qui est censé afficher l'image est là, la partie qui est censée jouer la vidéo est là, mais c'est une autre partie qui tombe en panne. On peut dire que c'est pas bon de prendre n'importe quelle personne de voir les vidéos. Oui. Tu prends une machine de quelqu'un, tu prends cette machine maintenant et puis tu ouvres une vidéo de 4K là, la graphique va se griller en même temps. C'est ce que les Japonais, c'est eux qui ne savent pas faire avec les PC là. Oui. C'est eux qui voient les vidéos souvent, avec les films bien clairs. Les séries. Oui. C'est un niveau de graphique. Lors de l'achat, donc prenons un disque de bien avec des 4K, on l'a dit alors pour tester le graphique. C'est ça qui est sur le graphique de son pilote. Tu vas payer la machine. C'est sûr. Oui. Tu vas payer la machine d'emblée. Bon, mais si je lui avais demandé une bonne machine, il me donne une mauvaise, je teste ça. Des fois, ils sont curieux, ils vous demandent qu'est-ce que vous allez faire avec la machine. Pourquoi toi, tu ne gardes pas la machine? Eux, s'ils rentrent, ils sont des machines très très puissantes. Ils peuvent revenir avec une machine, avec une vidéo graphique de 4 gigas. Tu vas tester, après on te donne le prix. Si la chose que tu veux répond à tes besoins, et ils te trouvent ça. Soit quand ils n'ont pas, ils vont dire reviens demain. Et si tu as la. Ils font des commandes. Et bon, je le prochain là-bas. Entre temps, quelqu'un avait cherché une machine de vidéo dédiée et graphique de 8 gigas chez moi. Vous lui avez trouvé ça? Non, c'est rare. 8 gigas là. Ça va vers les corps i7-5. Oui, il n'y a jamais un 5 qui a 8 gigas. 8 gigas de graphique, il n'y a jamais. Donc si l'utilisateur te demande ça là, ce qu'il va faire avec cette puissance, soit qu'il le fait Photoshop en même temps et puis faire les visuels vidéo avec. Donc il veut faire deux choses qui utilisent les graphiques. Donc il est obligé d'avoir une grande capacité de graphique. Et ça, il sait que Photoshop prend 4 gigas et les vidéos aussi prennent 4 gigas. En fait, ceux qui font les vidéos conférences avec leur PC aussi. On a besoin du graphique. Si tu n'as pas un graphique assez grand, vous allez voir que la personne est floue. Alors que chez ton voisin, la personne est bien claire. Dans le minimum, là. Avec les vidéos conférences, 1 giga, c'est bien. Mais la dernière fois, on avait vérifié chez moi là. On avait vu que la vidéo dédiée était de 1 giga. La mémoire graphique, c'est 1 giga. C'est la mémoire graphique qui est 1 giga. On n'avait pas pu déterminer la vidéo dédiée, partie vidéo dédiée. Quand c'est comme ça, vidéo dédiée là, c'est comme ça. C'est dans le paramètre en bas là-bas. Tout est là-bas. Au niveau où on a vu le graphique là, tout est là-bas. Il faut juste fouiller. Au niveau de graphique, vidéo dédiée, là, ils écrivent ça vidéo dédiée. Ok. Tu vas trouver. Quand tu cherches bien, tu vas trouver. C'est seulement la résolution qu'on ne sait pas. Pourquoi on ne sort pas ça? On te donne la capacité de modifier ça. Vous avez vu, on a modifié la fois dernière, c'est venu au milieu de ton écran. Pourquoi on n'écrit pas ça? Ceux à qui on écrit ça là, tu ne peux pas modifier. Mais moi j'arrive à afficher ou bien installer Photoshop et Ola. 1 giga.
Tu as quel Photoshop? C'est aussi ça. Moi, je te promets que si on installe CC, dernier bien sûr, ça va griller. Si ça ne grille pas, ça va cramer. Il faut toujours prêter attention. Hier, je faisais l'expérience avec ta machine la nuit. Quand je lance une opération, comme c'est la nuit, tu entends en même temps que le ventilo commence par tourner fort. Ça fait du bruit, ça tourne fort. Ça veut dire que ce que tu fais, ça chauffe et le composant qui est en charge. Donc là, le ventilo est obligé de donner beaucoup plus de fraîcheur. Quand tu utilises une machine pour faire les saisies, c'est calme. Quand tu prends pour jouer les films, ça fait un peu de bruit. Mais quand tu ouvres Photoshop là, la ventilo tue beaucoup plus. Et si je remarque ça vite et que j'arrête, j'éteins rapidement? Non, ce n'est pas éteint. Ça montre bon. Que ce que tu fais là, ça demande beaucoup plus d'énergie. Non, c'est-à-dire que dans le cas où vous avez dit la dernière fois qu'il y avait un gars qui allait acheter une machine, il est venu, il veut démarrer un logiciel et puis ça grille. Toi, tu ne veux pas faire la remarque avant la machine. La remarque que tu peux faire, c'est que c'est éteint. Il me dit ça après là-bas. C'est le risque du travail, ça. C'est à payer par tout le monde. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne peux pas avoir l'espérance. Faut gâter, préparer, gâter. Tu vas apprendre que ça, oui. Tu fais quoi là? Ça, quand tu vois ça arriver en même temps, tu sais par où passer. Non, on va avec les autres composants. On ne va plus revenir sur ça. Donc suivez. Il y a des petites choses là. C'est quand ça arrive que ça suscite le cerveau. Ok. On prend la RAM. La RAM, lui, il convertit toutes les données que le processeur lui donne. C'est l'instruction qu'on a. Son instruction, c'est de convertir les données. Sur l'affichage, on avait vu les données, c'était en 0, 1, C, D, tout ça là. Donc lui met ça, si c'est A, c'est A. Il va afficher. Il convertit ça là. Si le processeur lui dit de convertir le truc là, il convertit et puis ce que lui voit, il envoie ça au graphique. Vous allez voir que tous ces trucs là sont dans un même secteur. Tous ces composants là sont presque reliés dans un même secteur. Donc il prend ce que le processeur lui envoie, il convertit et puis il envoie ça au graphique. Et puis le graphique affiche. Il convertit les... Le processeur fait le travail. C'est comme il fait le travail et puis il envoie. Si c'est l'eau là, il va afficher sur l'écran haut. Si c'est batterie faible, il va afficher batterie faible. Lui ne fait rien que de convertir ce que le processeur lui donne. Donc à ce niveau, si une des RAM est défaillante, ça n'affiche pas. Les deux travaillent ensemble. Ça n'affiche pas. Mais quand tu arrives à détecter la panne, tu enlèves une RAM, tu déposes, tu démarres la machine avec une seule RAM. Si l'image ne vient pas, tu enlèves celui-ci, tu changes. L'une d'entre eux va démarrer la machine pour afficher. Et des fois, il y a des poussières qui rentrent au niveau des ports ici. Les poussières rentrent par ici. Et puis ça touche le côté du contact de la RAM ici. Et puis l'image ne s'affiche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On prend... moi, je prends souvent un papier RAM que je plie. Et puis je nettoie correctement. Je nettoie correctement, je souffle dans le tuyau là. Puis je remets ça. Quand tu remets ça, ça part. Tu démarres ça, ça loupe. Il a pas un corrigé comme ça. Pour tester partie le comment la RAM, oui. Il faut toujours brancher avec reconnecter il le. Il faut que la machine. On va faire l'expérience avec quelqu'un. Mets ta machine. Tu as ouvert derrière. Faut éteindre. On va faire l'expérience là. On
Ouais, ça s'affiche correctement. Hein. On va l'éteindre. On va enlever la rame. On va voir quel résultat ça va donner. D'accord. Tio. Donc le ventilo ça sortir. Ventilo va tourner jusqu'à ce que ça s'arrête. Lui aussi va s'arrêter. Lui travaille avec le processeur. Quand le processeur démarre, il démarre. Si c'est le système Linux, quand tu as tu t'es, ça s'éteint brusquement même aussitôt. Oui, il n'a pas ce problème de chargement. Tu, tu attends que le disque ait éteint. Linux, c'est avec ça que les Mac travaillent. Parce que les hackers utilisent souvent. Voyez que le ventilo s'est arrêté. Sinon, on va enlever ça. Là. On dépose. On allume la machine, ça s'allume. Le processeur tourne. Le ventilo, ça tourne ici. Est-ce qu'il y a du mal? Le traitement des données que le processeur envoie à la RAM. Les données viennent ici. Hein. Les données arrivent. Hein. Mais qui va traiter ces données? La RAM. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, c'est lui qui va traiter les données. La RAM traite les données et puis il envoie ça au graphique d'affiché. Maintenant, la graphique aussi attend que les informations viennent. Ça ne vient pas. Parce que lui là, qui est au milieu là, il n'est pas là. Qui va traiter les informations, professeur? Il faut obligatoirement deux RAM. Non. Là, c'est déjà 4 RAM. Oui, il faut qu'une RAM soit dedans pour travailler. Un jour, j'étais en train de travailler et je ne sais pas, je voulais éteindre la machine et puis tout d'un coup, la machine est éteinte. C'était le soir, je voulais partir. J'arrive à la maison, je branche le chargeur, j'allume, ça ne vient pas. Oui. Le lendemain, je prends, je me suis dit, bon, peut-être c'est quelque chose qui se passe. Le lendemain, je prends, je branche aussi, j'allume, ça ne vient pas. Maintenant, j'appelle le technicien. Il me demande d'ouvrir la machine derrière, de voir que parfois ça peut provenir de la mémoire. Est-ce que de vérifier, voir, est-ce que la mémoire n'a pas bougé? Je regarde, oui, je regarde, c'est bon. Il me dit de regarder, parfois ça peut provenir aussi de la pile. Si la pile a bougé aussi, ça peut faire ça. Je regarde, effectivement, la pile avait bougé et puis ça ne venait pas. Ça, donc quand j'ai rétifié, ça s'est fini. Ça veut dire que même toi, ta machine, si la pile est gâtée là, la pile n'a plus de charge là, ça va pas s'allumer. Mais pour certains, ça va s'allumer. Ça va s'allumer. Pour toi là, c'est le cas. Juste que ça, la pile n'est pas dedans, ça va pas s'allumer. Souvent au niveau de Asus et Acer là, j'avais pris un Acer et un Asus. Il n'y a pas de disque dur dedans, la machine refuse de s'allumer. Même si c'est un disque que tu gâté là, il faut mettre dedans avant que la machine va s'arrêter. Ah bon? Oui. Pourtant c'est gâté. Ça veut dire qu'on a programmé ça sur le BIOS. Dans le BIOS, fais l'analyse des matériels. Quand il y a un seul matériel qui n'est pas dedans là, il ne va pas démarrer le processeur. Il ne va pas dire au processeur de démarrer. Maintenant vous voyez qu'on a mis la RAM, c'est bon? Oui. C'est le rôle de la RAM ça. Et maintenant, il avait donné un son de démarrage. C'est lui là qui va dire à celui-ci que tous les matériels sont bons. Lui aussi va dire à la caleçon, il faut siffler. Lui aussi va siffler. C'est le système même qui tourne. Donc quand la panne vient là, c'est dans l'un de ses composants. C'est le rôle de la RAM ça. La pile CMOS, c'est lui qui conserve tous les paramètres du BIOS du setup. Puis c'est son rôle. Ceci est la base de le non-allumage de la machine. Et tu as un plaisir, merci la machine.
Donc quand la machine ne s'allume pas, ce sont ces secteurs-là qu'il faut attaquer. Mais ça là, tu ne peux pas l'attaquer. Ce n'est pas changeable. Le graphique n'est pas changeable. Donc tu ne peux pas l'attaquer. Quand tu vois que le processeur travaille, la RAM travaille, la pile CMOS travaille, qui reste encore? C'est lui. C'est lui seul qui reste sur la plaquette. Maintenant, hein? comment on vient de tester pour les trois? On a vu que la mémoire joue le rôle pour l'allumage. La pile CMOS, le processeur également. Quand un client m'amène la machine tous et je vois que ça ne s'affiche pas ici, mais la charge vient, il faut vérifier entre la pile et la RAM, il faut tester le quoi d'abord. Il faut tester la RAM d'abord, c'est la RAM qu'on teste premièrement. Il faut tester la RAM, si la RAM, ça travaille bien. Ok. Donc je vais l'enlever, je rallume, voir là-bas. Ah. Ici, il y a RAM dedans comme ceci. Le client t'amène la machine, ça s'allume, mais l'image ne vient pas. Tu ouvres la machine, il y a sa RAM dedans. Tu sais que c'est la RAM aussi, il est possible de ne pas afficher l'image. Dans l'affichage de l'image, il y a deux choses. Et non l'allumage, hein. L'affichage, il y a la RAM et puis là. C'est lui qui s'occupe de l'affichage. Si la machine s'allume correctement, tu vois que le ventilateur tourne, ça chauffe. Et que l'image ne vient pas là. Il y a la RAM et puis le graphique. Donc tu commences par la RAM. Tu enlèves une d'abord comme ceci. Et puis tu démarres la machine. Si ça ne vient pas, tu enlèves le second que tu changes avec celui que tu as amené premièrement. Tu enlèves. Si ça ne vient plus là, tu enlèves carrément. Tu vas chercher une autre RAM. Quand tu prends une autre RAM quelque part, tu mets dedans, ça doit s'allumer. Là, ça ne s'allume pas. Il faut savoir que le problème, ce n'est pas côté RAM. Là, le graphique, tu ne peux pas l'attaquer comme ça. Il faut aller quelque part, il faut tester aussi. Appuie le CMOS. C'est qu'il n'y a pas une panne pour dire que c'est lui qui fait ça. Non. Il n'y a pas de panne précise avec ces matériaux. Ah oui. Ça bloque le démarrage. Chez lui, c'est la RAM qui bloque le démarrage. C'est que la panne que la RAM va créer chez toi là, ça va créer une autre chez l'autre. Ça va créer une autre. C'est l'ensemble des pièces. Ici, peut être caché chez toi. Sur le côté, c'est les petites pièces là qui peuvent être parties. Donc sa panne serait différente de toi. C'est quoi ces composantes là sur la RAM? Sous forme de quatre mémoires. Oui, c'est les mémoires. Ça. C'est les mémoires. Oui. Quand on dit cette RAM là, c'est 2 gigas. C'est les mémoires qu'on est en train de combiner. Ah, d'accord. C'est eux qui, pour nous compter un peu RAM, hein. C'est eux qui traitent les données. C'est des mémoires. Maintenant, pour une mémoire de 2 gigas, combien de petites RAM là qu'on peut avoir dessus? Ça dépend. Il n'y a pas de précision. Donc, ça veut dire qu'eux, ils prennent les petites RAM là de petites capacités qu'ils combinent pour donner une capacité. Et quand tu vas voir les DDR3, DDR4, les nouveaux RAM là, souvent, il y a un côté où il y a les noirs et de l'autre côté, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre qui fait la capacité. C'est la programmation qu'on fait. Comment ça va si la RAM est DDR4 et DDR3, tout ça? Les DDR2, c'est eux ça. Quand vous voyez à ce niveau, DDR2 est un peu en bas. Le frigo, c'est lui le détrompeur. Lui, il vous permet de ne pas vous tromper. On appelle ça le détrompeur. Le milieu contraste là. C'est lui le détrompeur.
Donc la différence entre le DDR2 et le DDR3, le DDR3 là, ça vient encore un peu ici. Ouais, le détrompeur tend vers le milieu. Le DDR4, ça tend un peu vers ici. Ainsi que le DDR5. Le DDR1, ça c'est devant. Oui. Donc ils ont commencé ici. 1, 2, 3, 4. J'ai terminé là. Ils vont créer encore toujours. C'est comme ça. Après, ils vont fusionner. Je peux réussir notre tableau. Oui. On va essayer de voir les rangs. Facile. La machine de DDR3 ne prend pas la mémoire RAM de DDR2. Vous voyez le décalage? DDR3, DDR4. Vous allez voir la différence ici. Okay? Au niveau du DDR là, le trait c'est au milieu. Est-ce que tu vois le point là? Le trait c'est au milieu de là où on a creusé. Maintenant vous voyez que au niveau du DDR2, c'est à côté. Au niveau du DDR3, ça va comme ceci. Ça c'est au niveau de PC ça. Au niveau du DDR4, ce n'est plus au milieu. Mais c'est à côté du DDR4. Ça veut dire que voilà, celui-ci ressemble à celui-ci. Celui-ci ressemble fortement à celui-ci. Mais quand tu vas essayer de placer ça, ça ne passera pas. Parce que les tiges qu'on fait ici, là, Atia, elle aura l'autre doigt, mais celui-ci, Atia, elle a notre tort, on va pas les gars. Est-ce qui fait que ça ne passera pas? Donc si je m'en vais pour chercher ça sur le marché acheté, je dois tenir compte de... Quand tu vas dans le trampol, tu dis mémoire, hein? Tu dis quelle mémoire, hein? Je te pose la question, toi je dis moi je veux DDR3 4 Go, DDR2 et puis portatif 4 Go, DDR2 PC 2 Go. Mais sur celle-ci on n'a pas marqué. Il faut apprendre comme ça, on ne va pas tout marquer ça. C'est à toi de voir que quand je prends celui-ci là, c'est DDR2. C'est pourquoi on a fait le détrompeur. Tu n'es pas obligé d'aller lire sur la mémoire. Ce n'est pas sur toutes les mémoires qu'on écrit ça. Ce qu'on avait vu, c'était pourquoi? UC. UC, ça. Et pour UC, c'est lui qui a la mémoire ramenée. Essaye de voir si le tour. C'est le type de RAM qu'on a au niveau des UC et des PC. Il faut suivre. Parce que quand tu vas revenir, je vais te renvoyer. On a les SDRAM. C'est les premiers RAM qui sont sortis avec les Pentium 2. Pentium 2 et. Comment on l'appelle? Pentium 4. Okay. Maintenant, je vais envoyer ça dans le groupe. J'ai déjà téléchargé l'image. On a DDR1. C'est qui vient avec les Pentium M. Les premières machines là. Oui, c'est elle qui vient avec ça. On a DDR2. Vous voyez la séparation? SDRAM, DDR4. SDRAM et puis DDR1. Là. Il y a une grande différence. Et puis le DDR2, il va juste à côté.
ça dépasse un peu. Mais il y a, je connais des gens, vous savez ce qu'ils font. Même moi, je suis plus pro. Hein. Vous voyez que, à ce niveau, je ne sais pas si je peux jouer. À ce niveau, au lieu de faire des pins ici, ils ont laissé une partie. Ils ont laissé une partie sur les mémoires. Ils n'ont pas fait des pins. Donc les gars, vous faut vérifier. Il y a la bande là qu'on laisse. Mais celui-ci là, le DDR1 n'en a pas. C'est ces caractéristiques. Nous, au Milan, on y entend quand quelqu'un vous donne une rampe, vous voulez comme ça, et puis vous le dites à DDR2. La personne va prendre, va voir, va tourner. Et elle me dit à quoi il dit c'est. C'est les particules que vous devez savoir sur les rampes. Les premiers rames, il n'en a pas. Mais ici, on a laissé. Je vois dans certains PC, les gens, ils prennent les DDR1 pour mettre au niveau de DDR2, pour mettre au niveau de DDR1. Vous savez comment ils font? Vous voyez que le trou là ne reste pas forcément sur celui-ci. Ils grattent au canapé à Dieu parce qu'il n'y a rien là-bas. J'en ai vu avec dans les machines que les gens m'avaient. Pour adapter un DDR2 à DDR1. Et puis ça passe quoi, tu vois, ça travaille. Maintenant, la différence avec DDR3, ça commence par aller vers le milieu. Mais au point mémoire, qui est en plein milieu comme ça, il y en a la DDR1 tia et SDRAM tia qui est au milieu, comme ça. Donc, quand tu prends la mémoire RAM là, tu vois en même temps, tu vois que c'est ancien temps. Et Zenas, regarde ça là, c'est du vieux temps. Il n'y a pas quelque chose de luxe comme celui-ci. Et que la tchamba, non. C'est un peu noir. À quel niveau? Ici là. Non. Tout le design. Tout le design là. Toi, mais tu vois là. Tu sauras que ça, c'est un truc d'ancien temps. C'est pas quelqu'un qui va te dire. Maintenant, au niveau de DDR2, ça dépasse un peu. Ça va un peu à droite de DDR1. Maintenant, au niveau de DDR1, et DDR2 puis DDR3, lui aussi va un peu à droite, ça décale. Au niveau de DDR4, lui aussi il tend un peu vers le milieu quoi. Ça dépasse là. Oui. Tu vois, quand on a créé la première rampe, ils croyaient que c'était fini. Donc quand les rampes ont commencé à sortir, c'est là-bas ils ont pensé à mettre de l'ordre. Ils ont ramené ça à la bordure pour faire de l'ordre. On va essayer de voir des DDR5 aussi. Actuellement, nous, sur le marché, c'est lequel le top? DDR5. DDR5 n'est pas encore le régime. Il y a 4. C'est le 4 qui est là. Si on a une mémoire RAM de... Autre, on a un radiateur et les RAM anti qui permet d'absorber la chaleur de la rampe. Ça veut dire que ça chauffe même. C'est pour les UCC de jeu là. Est-ce qu'on peut enlever ça pour mettre au niveau du PC? Non, UC est le grand ordinateur. Ça ne veut pas aller. Je suis en train de chercher un truc là. Ça c'est une rampe ça. Ça, c'est une mémoire RAM, ça. DDR5. C'était tout pour cette vidéo. C'était William Mouzo. À très bientôt sur la chaîne.